Parlons plutôt de l'album de Gauvin Cerce, qui vient chez nous pour la première fois ce soir. On en est ravis parce que c'est un nouveau chanteur dont on parle beaucoup. Je dis nouveau parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a entendu votre première chanson Pourvu, mais qui tout de suite a cartonné sur les ondes. D'abord parce qu'elle était bien joyeuse, cette chanson, même si je sais qu'actuellement, celle qu'on entend sur toutes les radios, c'est Dans mes poches, très sympathique aussi. Alors, ils ne sont pas forcément représentatifs, ces deux chansons, du reste de l'album, mais on en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas forcément les moins réussis pour autant. Moi, j'aime beaucoup ces deux chansons-là. Tout à l'heure, on écoutera évidemment Dans mes poches, mais d'abord, celle qui vous a fait connaître du public, Pourvu. Pourvu qu'elle parle à mes copains, pour que ça devienne ensuite les chiens. Pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie. Pourvu qu'elle sache qui est le prest, pourvu qu'elle vote pas pour la peste, pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe, que je respire avant qu'elle parte. Pourvu qu'elle ait l'alarme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins, comme il est touchant d'Aroussin. Comme il est touchant d'Aroussin. Et en plus, vous avez même eu d'Aroussin dans votre clip, et Gérard Darmon aussi. Puisque vous chantez aussi Pourvu qu'elle aime la voix de Gérard Darmon. Gérard Darmon a aussi participé au clip. Bref, de bons débuts, de bonnes étoiles autour de vous. Ouais. Il faut dire qu'en plus de cette chanson, très vite, c'est vrai que quand on l'a entendu, on a forcément pensé à Renaud, qui est un des chanteurs sûrement vous avez beaucoup écouté quand vous étiez plus jeune, même si vous êtes encore très jeune aujourd'hui. Quel âge vous avez d'ailleurs? 28 ans. 28 ans. Et alors, miracle en plus, Renaud, certainement quelqu'un lui dit, mais dit, tiens, il y a un garçon quand même, ça nous fait penser à tes débuts, il vous écoute chez lui ou comment? On lui fait écouter un disque, il vous fait venir, comment ça se passe? En fait, j'avais enregistré une vidéo sur Internet, en live dans un studio, et il y a un de ses assistants qui était en train d'écouter ma chanson à côté de lui, et... Il a tendu l'oreille et ça lui a plu. Il en a écouté une deuxième et à ce moment-là, il cherchait les premières parties pour sa tournée. Et une demi-heure après, il m'appelait et il me disait « Allô, c'est Renaud le chanteur ». Et puis, il m'a proposé les premières parties. Quoi. Et ça, quand même, c'est impressionnant, j'imagine. Ouais, c'était... Bah, j'ai cru à une blague et puis après, je me suis dit que si on me faisait cette blague-là, je le prendrais quand même très mal. Donc, j'ai compris que c'était lui et... J'étais très touché, quoi. Et ça a cartonné. Et à l'époque, il y avait un mini-album, 5 titres, hein, que vous réussissiez à vendre très, très bien, d'ailleurs, tout au long de la tournée. Ça a donné ensuite un album avec 14 chansons que je vous conseille. Vous découvrirez l'univers de Gauvin Cerce, que vous ne connaissiez pas forcément, j'imagine, ni l'un ni l'autre. De façon très courte, aussi un mot sur Gauvin Cerce que vous avez découvert, donc, grâce à cette émission, Christine Angot. Non, moi, là, vraiment, je sais que les jeunes artistes, là, il faut faire attention, il faut les préserver, il faut tout ça, mais... Moi, là, vraiment, je ne peux pas du tout, du tout. Quoi. Mais pourquoi? Non, mais écoutez, d'abord, voilà, on ne l'entend pas. Je veux dire, on ne vous entend pas. On entend la référence, on écoute. Moi, j'ai mis tout de suite, j'ai dit, ah tiens, mais c'est incroyable, c'est vraiment Renaud. Bon, alors, du coup, on ne pense qu'à ça. On dit, ah oui, tiens, ça ressemble à Renaud. C'est la seule chose qu'on se dit. Après ça, on est énervé, on éteint. On remet une autre chanson, on tombe sur Mon fils est parti au djihad. D'un truc, d'une bêtise, mais d'une bêtise. Ah là, on se dit, mais je rêve, enfin, je veux dire, c'est tellement... Enfin, je sais pas, c'est... Pardon, hein, vous avez 28 ans, mais c'est pas une raison. On peut aussi être un petit peu, je sais pas, fin, même quand on a 28 ans. Et c'est une espèce d'image à la Amélie Poulain, dont moi, je me passais très bien. Ça m'allait très bien, que c'était déjà un peu fini, Amélie Poulain. Là, ça revient, et moi, je préfère sans. Bon, bah, écoutez, là, c'est clair. Là, je pensais pas avoir un avis aussi tranché dès le départ. Yann, Moix. Du coup, je vais être obligé d'être sympa. C'est pas sympa. Non, alors moi, je ne serais pas aussi sévère, mais j'ai un petit problème. C'est-à-dire que j'estime qu'effectivement, tous les artistes, les écrivains, les peintres, les chanteurs, les musiciens, font toujours du ski nautique derrière quelqu'un qu'ils admirent. Renaud admirait Bruce Springsteen et Georges Brassens. Ils faisaient du ski nautique et au bout d'un moment... Il faut lâcher, d'une certaine manière, l'étreinte pour ce qui est soi-même. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous commencez sans doute à vous dégager du modèle, mais j'ai quand même la sensation que ce modèle a été pour vous extrêmement important. Et comme vous n'avez que 28 ans, je pense que dans le prochain album, on sentira un petit peu moins l'influence de Renaud. C'est ce que je vous souhaite, parce que les qualités requises pour faire une vraie belle carrière, je pense que vous les avez par vous-même. Oh bah écoutez, voilà, avec un mix de tout ça, on va s'en sortir. Tout à l'heure, on laissera parler Gauvin, mais...
C'est dur de passer derrière Renaud. Quand même, ça, voilà, ça redonne un souffle. Renaud, il n'est plus là. On n'est pas obligé de passer derrière. Hein. On peut essayer de marcher tout seul. Hein. Quand on est artiste, normalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on se casse la gueule, mais tant pis. Oui, mais quand même, il n'y a plus autant de chanteurs qu'il y en avait à l'époque qui s'engagent sur des chansons, comme par exemple Hénin Beaumont, ou même Mon fils est parti au djihad. Des chanteurs qui parlent d'Alain Leprest, il n'y en a pas tant que ça non plus, comme chez Leprest. Et puis, il y a aussi les chansons un peu plus, non pas des chansons gags, mais il y en avait aussi d'ailleurs dans le répertoire de Renaud, mais des chansons, on va dire, plus grand public. Celles qui marchent, d'ailleurs, c'est le cas de Pourvu et aussi de Dans mes poches, qu'on écoutera tout à l'heure. Je vous laisse souffler pour réfléchir et répondre à Christine et Yann dans un instant. Mais de toute façon, ça cartonne pour lui, tant mieux. Et je vous laisse le soin vous-même de découvrir les chansons de Gauvin Cerce. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. C'est tant mieux même. Et c'est tant mieux. Bah, parfait, merci de réagir ainsi.